Bonjour et bienvenue dans Prends ça dans ta palle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougeries. Aujourd'hui, je vous présente le roman La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. L'histoire commence par un tragique accident. Louis, 12 ans, est renversé par un camion. Il tombe dans le coma. Le pronostic est sombre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Soit il se réveille, soit il ne se réveille pas. Et dans ces cas-là, il faudra le débrancher. Pour sa mère, Thelma, l'angoisse commence. Elle est seule, effondrée et totalement perdue. C'est alors qu'elle trouve un carnet, écrit par son fils, où il a noté toutes les expériences qu'il veut vivre avant de mourir. Thelma prend alors la décision de réaliser les rêves de son fils et de les lui faire vivre par procuration. Peut-être se réveillera-t-il. Mais lorsqu'on a 40 ans, réaliser les rêves d'un ado de 12 ans n'est pas si facile. C'est alors que Thelma se retrouve embarquée dans une drôle d'aventure. Première destination, le Japon. Ce roman se lit d'une traite. Malgré le sujet sombre, on se prend à rire devant les péripéties de la mer. On passe clairement du rire aux larmes. C'est drôle, cocasse et très émouvant. Ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Thank you.